Aujourd'hui, le véhicule tout-terrain est orienté vers une utilisation loisir familiale. Mais il ne faut pas oublier ses origines militaires et professionnelles, avec trois voitures qui ont marqué leur époque. La Jeep MB, que tout le monde connaît, le Land Rover, très utilisé en Afrique du Sud et en Europe, ainsi que les Toyota BJ, que nous qualifierons de trouble-fête en ces temps. Ces automobiles ont été le détonateur du mouvement 4x4. Dans les années 70 jusqu'au début des années 80, on insiste sur ces véhicules à une adaptation de nombreux accessoires, laissant apparaître une orientation de la clientèle déjà plus loisir tout-terrain. Pour répondre à ce désir, dans les années 80, les constructeurs décident de concevoir à l'origine des voitures plus adaptées à ces nouveaux utilisateurs. Bien sûr, ceci nous amènera aux produits d'aujourd'hui. Deux familles de véhicules tout-terrain caractérisent l'ensemble du marché actuel. Elles se classifient généralement par leur mode de transmission, les 4x4 et les 4x4 permanents. Les uns évoluant en mode propulsion sur route et 4 roues motrices en tout terrain, les autres, comme l'expression l'indique, progressant en position 4x4 dans tous les cas d'utilisation. Dans la première catégorie, on retrouve bien évidemment la Jeep, précurseur de ce mode de transmission, avec ses versions MB, CJ et récemment la Wrangler. De conception plus récente, la gamme Toyota, hormis le HDJ80, l'ensemble des produits Nissan, dont les célèbres Patrol GR et les Terrano 2. Les Maverick de chez Ford, avec le châssis long et le châssis court. La gamme Opel, avec les Frontera Sport, ou 4 portes essence et diesel. Les Monterey, à volume qualifiable de première génération, avec une position de conduite plus assise. Nouveau sur le marché, un véhicule positionné grand public, pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers. C'est le SsangYong Family Diesel, très attrayant pour son rapport qualité-prix. Les Mercedes furent longtemps des 4x2-4x4, jusqu'à leur modification en 4x4 permanent par le constructeur en 1990. Des véhicules plus féminins et légers, c'est bien sûr la gamme Suzuki avec les Samurai 410 et 413, véhicules urbains et trialisants de première génération, et le Vitara, lui, très féminin. Et n'oublions pas de citer les Daihatsu avec le Rocky et les Burton Free Climber, version italienne de ces produits japonais, véhicules légers, urbains et souvent de première acquisition. Nous arrivons maintenant à la catégorie des 4x4 permanents. Le Lada Niva et le célèbre Range Rover furent les instigateurs de ce système de transmission qui comporte un intérêt essentiel sur la sécurité routière, facilitant une réelle polyvalence de l'utilisation des véhicules 4x4. Conception de transmission ensuite appliquée au Land 90, ainsi qu'au Discovery et haut de gamme Mercedes G, au Land Cruiser Toyota Station Wagon, type HDJ80. Dérivé de cette seconde catégorie et apparu avec les Cherokee Limited 4 litres, les boîtes de transfert de ces derniers ont été réalisées avec un système bifonction comprenant un différentiel interpont, apportant une nouvelle sélection permettant de rouler ou en propulsion sur route sèche ou en 4x4 permanent sur route devenant incertaine, en 4x4 permanent avec le différentiel interpont bloqué sur la neige et le verglas, en 4x4 permanent, différentiel interpont bloqué et rapport court, en franchissement. Le Mitsubishi Pajero a été plus récemment équipé de ce principe, mais possède en plus un viscocoupleur en position 4 roues motrices longues, comme le Range Rover dernière génération et le Toyota HDJ80 VXB. En utilisation routière, l'évolution du marché laisse apparaître deux grandes tendances. Les marques comme Mercedes et Land Rover qui ont choisi de garder leur look et faire évoluer leur véhicule dans le sens puissance, finition et équipement permettant d'accentuer les capacités routières, et les marques qui proposent des modèles totalement nouveaux dans les domaines techniques et esthétiques
possédant désormais de bonnes capacités routières et tout terrain, comme le Suzuki Vitara, le Patrol GR, les Mitsubishi ou le HDJ 80. Afin d'élargir la clientèle, tous les constructeurs s'orientent vers une possibilité de polyvalence d'utilisation des 4x4. L'exemple peut-être le plus marquant est le Discovery, milieu de gamme de Land Rover, venant parfois concurrencer les monospaces au moment d'une décision d'achat. Sur la route, un 4x4 possède certains avantages. La sécurité passive grâce à un concept robuste, l'originalité de style, la hauteur du poste de conduite pour de meilleures anticipations. Enfin, de bonnes capacités de charge et de tractage. Concernant la pneumatique 4x4, nous allons faire un panorama, bien entendu, non exhaustif. Tout d'abord, un Pirelli 700x16 à profil mixte, route et éventuellement gras, une dimension très tout-terrain en 16 pouces et bande de roulement étroite. Dunlop 10-15, utilisation mixte, mais cette fois plus route ou sable. Le 10-15 étant une dimension utilisée, surtout pour une question d'esthétique. Un Michelin 756 type X, pneu baptisé camionnette pour une utilisation essentiellement routière ou quelques chemins peu boueux, équipant généralement des véhicules industriels ou professionnels. Le pneu général Ameri 550 ici présent, en dimension 215-85x16, est un pneu mixte ayant un aspect route et sable, mais avec son léger cramponnage et son fort pouvoir de déformation, ce pneu peut aussi sortir son épingle du jeu dans un chemin légèrement boueux. Une dimension fort bien adaptée pour certains 4x4 modernes acceptant moins les pneus à grand diamètre. Ici, le célèbre Michelin 750x16 type XL, un pneu dont le profil a souvent laissé penser qu'il s'agissait d'un pneu sable. C'est en réalité un des meilleurs pneus boue du marché, avec une profondeur de crampon relativement peu importante, un pouvoir de déformation très efficace, ce qui lui donne une très bonne capacité de débourrage dans les terrains gras. Michelin fut d'ailleurs précurseur de ce type de fabrication, privilégiant une carcasse très souple plutôt qu'un cramponnage trop agressif. Au vu du marché 4x4, certains fabricants ont acquis une solide réputation dans la conception de pneumatiques tout-terrain. Le constructeur Blackstar que nous avons visité se trouve en être l'exemple par excellence. Après les différentes phases de fabrication, choix des carcasses, râpage, collage des bandes de roulement, moulage de sculptures, parfaitement adaptées aux différents types de terrain, depuis 10 ans, les responsables de Blackstar, professionnels passionnés de tout terrain, ne se sont pas contentés de tests officiels subis par leurs produits au laboratoire de l'UTAC, mais ont décidé de soumettre leurs pneus aux pires conditions sur les pistes d'Amérique du Sud. Après les pistes boueuses et détrempées, la rocaille, les cailloux, les dépassements volontaires à la surcharge et les indices de vitesse, le but de la réalisation de pneus tout-terrain de qualité optimale est atteinte. La pleine satisfaction de l'utilisation de ces pneumatiques ne dépendra donc plus que d'un choix de la structure la mieux adaptée à votre besoin futur. Pour ce faire, trois modèles sont proposés. Pour les franchisseurs, voire même les trialistes. Équipés de petits crampons pour une précision accrue et une flexibilité maximum, le choix se portera sur le Blackstar type Venezuela. Pour les grands raideurs maintenant, ayant besoin de forte adhérence et d'une vitesse importante de déplacement, jusqu'à 140 ou 160 km/h, on pourra utiliser le Blackstar type Guyane. Enfin, pour les grands routiers, parfois confrontés à la neige et occasionnellement à la boue, ou bien pour les randonneurs désireux de préserver le bon état des terrains ou des chemins empruntés, le modèle idéal sera plutôt le Blackstar type Broadway. Suivant la nature du pneu utilisé et quelle que soit sa marque, mais surtout selon la rigidité de sa carcasse, le choix de la pression sera variable. La pression variera également selon le poids du véhicule, l'importance de son chargement et la nature des difficultés rencontrées. Tenant compte de ces paramètres, la pression efficace pourra donc varier de 800 g à 3,5 kg selon le véhicule et selon le pneumatique. Très important, il ne faut jamais baisser la pression sur des roues dont les pneumatiques sont montées sans chambre à air, sous peine d'un risque de déjantage lié aux appuis latéraux que subissent les pneumatiques en utilisation tout-terrain, tout particulièrement dans les dévers.
En résumé, les pneumatiques esthétiques seront plutôt des 15 pouces et à bande large, les pneumatiques efficaces pour le tout-terrain seront généralement en 16 pouces à bande de roulement étroite. Si la conduite d'un véhicule 4x4 sur la route nécessite certaines précautions, son utilisation en tout-terrain exige un réel apprentissage, basé sur trois impératifs: douceur, patience et finesse. Alors, il faut savoir que sur le marché, il existe deux types de chaînes cinématiques 4x4, les 4x4 permanents et les 4x2x4. Lorsque nous allons pré-régler un véhicule pour l'utilisation tout-terrain, la configuration off-road, nous allons commencer par un véhicule 4x2x4. Il faut savoir qu'il nous faut tout de suite vérifier si ce véhicule est équipé de moyeux débrayables. Et s'il l'est, quel est le modèle de moyeu qui équipe ce véhicule. Ici, nous sommes en présence du modèle de moyeu le plus ancien sur le marché, c'est le moyeu à main, qui se manipule simplement sur un quart de tour et qui nous permet de désenclencher ou d'enclencher le moyeu, c'est-à-dire de rendre solidaire la roue à son arbre de roue. Il existe également des moyeux dits automatiques qui vont se mettre en fonction dès la mise en position 4x4 du véhicule, mise en rotation des arbres de roue, donnant l'enclenchement automatique de ce moyeu. L'évolution nous a conduit aujourd'hui à un troisième type de moyeu, bifonction, qui équipe par exemple le Patrol GR de chez Nissan. C'est un moyeu sur lequel on peut intervenir à la main, comme je viens de le faire à l'instant, ou bien en position automatique, si jamais on n'envisage pas de faire de tout terrain extrême, ou si on n'envisage pas d'utiliser le véhicule sur route enneigée, c'est-à-dire une position où il n'est pas nécessaire de pré-enclencher. Dernier modèle de moyeu apparu sur le marché, les moyeux 100% verrouillables comme ceci, mais commandés depuis le tableau de bord, tout simplement à l'aide d'un petit bouton. Il est impératif de commencer par verrouiller les moyeux sur un véhicule 4x2x4, car l'information qui nous indique la mise en 4 roues motrices au tableau de bord est transmise par un contact qui se trouve au niveau de la boîte de transfert. Si nous oublions d'enclencher nos moyeux, lorsque notre levier de transfert sera positionné en position 4 roues motrices, un témoin au tableau de bord va nous donner une information qui en fait sera erronée. La puissance arrivera jusqu'au pont avant, mais n'entraînera pas les roues. Dès lors que nous allons passer en 4 roues motrices notre véhicule, comme nous allons entrer en tout terrain, nous allons compléter la manœuvre en mettant maintenant notre véhicule en position 4 roues rapport court. La position rapport court qui sera la position systématiquement utilisée dès que nous allons quitter le goudron. Sur une boîte de transfert, entre la position 4 longue et la position 4 courte, nous avons un point intermédiaire qui s'appelle le point neutre. Pour éviter, en situation de tout terrain extrême, d'avoir un désenclenchement du levier de boîte de transfert, on va utiliser une petite sangle caoutchoutée que nous allons passer au-dessus du levier et qui va nous maintenir ce levier en position d'enclenchement. Élément déterminant d'une bonne réussite de conduite en tout terrain, la position de conduite, de manière à avoir une parfaite maîtrise du véhicule, quelles que soient ses positions. Première chose, le siège, on va le régler toujours exagérément positionné vers le pédalier et vers le volant, afin d'obtenir une position bras pliés et jambes fléchies. Cette position nous permettra, en cas de calage en côte, de pouvoir parfaitement retenir le véhicule moteur calé avec une pression assez forte sur le frein. Si notre siège est réglé très loin, lorsque nous allons être en pente, ce réglage va se trouver faussé par le poids de notre corps sur le dossier et sur l'assise du siège, et le moment de retenue du véhicule sera beaucoup plus difficile puisque nous allons pouvoir appuyer sur la pédale de frein uniquement avec le bout du pied, ce qui va rapidement provoquer un tremblement de la jambe et une tenue de cette pédale de frein tout à fait relative. Nous allons positionner nos mains sur le volant avec deux précautions. La première, le pouce sera toujours
sur la jante du volant et jamais à l'intérieur de la jante, pour éviter, en cas de retour violent de la direction, d'avoir notre pouce blessé. Nous ne ferons jamais non plus de manœuvre avec la main à l'intérieur du volant, tel qu'on le voit bien trop souvent, y compris sur la route, de manière à éviter cette fois, sur un retour de volant, une blessure au niveau du poignet. Troisième élément important de la position de conduite en tout terrain de franchissement, la ceinture. Nous la mettons sur la route, nous allons la mettre en tout terrain. Avec une petite variante, après l'enclenchement de la partie mâle dans la partie réceptrice, nous allons passer la bretelle de notre ceinture dans notre dos. Ce qui va nous permettre d'être parfaitement maintenu par la partie ventrale de cette ceinture lorsque nous allons descendre une pente importante et que notre corps risque de glisser légèrement sur le siège par phénomène de pente et risquer de ce fait de modifier un éventuel freinage que nous aurions décidé d'appuyer pour aider le frein moteur. Sans toutefois nous empêcher, toujours dans ce plan incliné, de regarder la roue à l'extérieur, cette roue élément déterminant des mouvements du véhicule, cette roue repère, ce sera notre roue repère pendant tous les types de franchissements, savoir dans quel sens le véhicule va se diriger, savoir également pourquoi nous sommes immobilisés, par exemple dans une position de croisement de pont. Premier élément technique à bien connaître et surtout à bien sentir sur son véhicule 4x4 ou tout au moins sur le véhicule 4x4 que l'on va utiliser, sa réduction. Alors qu'est-ce qui peut faire varier la réduction d'un véhicule 4x4? En premier lieu, les rapports de la boîte de transfert, tout au moins le rapport court, le rapport de pont et enfin, bien évidemment, le diamètre des pneus. À cet exercice, tu peux juger parfaitement de l'importance de la réduction de ton véhicule sur le premier rapport, donc ce qui va te permettre toujours d'avoir le temps de choisir tes trajectoires pendant tes franchissements. Tu vois ? T'as pu s'en regarder le V8 dans la descente, pareil, on a un excellent frein moteur lié à la réduction. Régime de ralenti différent, le véhicule va plus vite. On voit le Mitsu diesel qui descend, qui se retient quand même d'une manière très convenable. Là, on a un ralenti élevé. On verra dans l'atelier numéro 2 que ça va peut-être nous gêner un petit peu. Le véhicule 4x4 étant un véhicule que nous allons utiliser en tout terrain, dans des endroits parfois difficiles et parfois serrés, il est impératif de bien connaître les capacités de maniabilité du véhicule. Qu'est-ce qui peut faire varier ces capacités de maniabilité? En premier lieu, la réduction, puisque plus un véhicule va évoluer vite en position première au ralenti, plus les virages vont se trouver écartés. L'angle de braquage, bien entendu, du véhicule, qui va l'aider à plus ou moins bien tourner. Et enfin, son empattement, qui, par le gabarit, va également nous permettre de tourner plus ou moins facilement autour des obstacles que nous allons rencontrer. Maintenant, vous allez conjuguer le braquage, sa maniabilité et sa vitesse d'avance. Serre, 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 Jackie, serre, serre. N'attends pas, n'attends pas. Non, non, laisse-toi se positionner. Il a dû regarder. On a dit on regarde bien et on écoute. Vérifier le positionnement, le passage de la roue arrière qui est important. Hein. On vérifie toujours l'écartement. Les roues intérieures, vous vous rapprochez pour regarder, vous la verrez patiner sur place légèrement. Un petit coup d'œil derrière. De toute façon, c'est pas tout à fait assez rapide avec le volant, ça va passer près devant, tu vas voir. T'as pas été tout à fait assez vite.
Pour pas créer un recul qui vous fasse une fausse trajectoire, il vous faut toujours reculer en resserrant le piquet précédent. Alors que le réflexe pour éviter ce piquet-là, ça va être de reculer en écartant le précédent. On va passer ici et on ne pensera pas à l'obstacle qui suit. Toujours, encore une des raisons pour cet atelier, toujours anticiper au niveau de la conduite ce qui va se passer dans les mètres qui suivent. Le tout-terrain de franchissement. Franchir, c'est gravir. Évidemment, gravir, c'est aborder des pentes, c'est aborder des côtes. Or, parfois, parce que nous avons mal sélectionné un rapport, parce que l'adhérence était plus mauvaise qu'on ne l'aurait pensé, eh bien, nous allons faire échec dans cette montée. Le véhicule va entrer en patinage. Immédiatement, nous avons provoqué, avec le pied sur le frein, le calage du véhicule. Première chose, regardez tout de suite par la portière l'alignement de nos roues afin d'avoir un redémarrage parfaitement en ligne par rapport à la pente. Nous allons, tenant fermement le véhicule avec le frein, débrayer un court instant pour engager la marche arrière à la place de la première. Nous allons appuyer la masse du véhicule sur la compression du moteur. Ensuite, en tenant parfaitement bien le volant avec la main disponible et sans toucher à aucune autre manette, à aucune autre pédale, nous remettrons le véhicule en route. Très bien vu. Très bien vu. Je me fiche de l'arrière, ce qui m'intéresse, c'est ta réaction sur le volant. Bien, tu redresses, redresse maintenant, redresse, 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 redresse tes roues. C'est bon. C'est bien. Le véhicule penche légèrement vers la droite. On est d'accord. Bien, c'est ce que je sais bien. Pas trop. Mais là, c'est bon, Franck. Si nous sommes en cours d'un recul avec notre véhicule dans une pente et qu'intervient de nouveau un calage, on tiendra le véhicule avec le pied sur le frein, notre moteur calé, et nous passerons cette fois de la marche arrière à la première, comme nous l'avions fait dans le sens de la montée. Exercice de sécurité, encore une fois, le plus important en tout terrain de franchissement. On ne touche jamais l'embrayage et on redémarre systématiquement vitesse pré-enclenchée. Une position de conduite qui est certainement une des positions du véhicule la plus technique et celle que l'on aime le moins, là où on se sent le plus passif, c'est la position de dévers. Alors comment doit-on réagir dans un dévers? Premièrement, comment l'aborder? Toujours à la vitesse la plus lente possible pour éviter que pendant le franchissement de dévers, la moindre pierre, la moindre souche ou tout simplement le moindre trou nous fasse évoluer notre suspension, nous fasse donner appel à la suspension et risque de nous augmenter tout à coup le dévers dans une position dangereuse. On ira donc très très lentement en étant prêt à réagir immédiatement, quel que soit le côté du dévers, en mettant nos roues vers le bas de la pente si cet angle nous apparaissait comme trop important. Pour faciliter un bon réflexe dans le domaine du braquage des roues vers le bas de la pente, un petit truc de métier sera de tenir le volant pour un dévers du côté droit avec notre main au-delà de l'axe médian du volant de manière à pouvoir naturellement tirer sur le volant pour braquer les roues vers le bas de la pente et même méthode inverse en cas de dévers pente du côté gauche, on tiendra cette fois le volant au-delà de son axe médian avec notre main gauche. Un mouvement de tirer étant toujours plus naturel chez nous qu'un mouvement de pousser. Il faut profiter des 2 ou 3 mètres de plat qu'il y a là pour doser le freinage sur le plat
pour que dans la descente, on ait pu à corriger un freinage. Dans une descente mouvementée, on ne peut pas doser un freinage constant. Ou on cale, ou on laisse glisser, ou on relâche le frein. Alors, il est bon de prévoir son dosage sur le plat et de ne plus y toucher pendant la descente, même si ça cale. On reste avec le même dosage de frein. Si ça cale, on reste freiné et on repart au démarreur. C'est le seul moyen d'avoir une descente non tourmentée. Regardez bien la trajectoire qu'il doit prendre. Il devrait mettre 200 tours à son moteur. Il oublie et il va le faire trop tard. Stop! Stop, stop, stop! Il avait oublié de bloquer son différentiel central. Lorsqu'on patine en mouillé, on aggrave son cas. Là, c'est fini. Il ne peut plus passer. Il faut absolument qu'il recule et qu'il reprenne une vitesse supérieure pour pouvoir maintenant effacer le croisement de pont qui s'est fait. Mais c'est pas mal. Dans le domaine des exercices de sécurité, un exercice qui n'est pas des moindres dans le domaine de cette sécurité, c'est comment aborder une descente. La première chose sera systématiquement de bien positionner le véhicule face à la pente pour éviter toute entrée dans cette pente en position 3/4 dévers. On descendra la pente si possible en utilisant les ornières s'il y en a de présentes dans le chemin. Et jamais en essayant de se mettre à cheval au-dessus, de manière à profiter de ces ornières comme guide et éviter encore une fois des mises en diagonale du véhicule pendant la descente. Avant de s'engager, on ira toujours vérifier à pied l'angle de pente, vérifier les défauts de piste qu'il peut y avoir, mais surtout ne jamais faire pénétrer le véhicule sans avoir vérifié l'état de cette pente. Fonction de l'angle de la pente, mais aussi fonction de la réduction de notre véhicule, il va également nous falloir présélectionner un rapport de boîte qui corresponde à un bon frein moteur sans toutefois entraîner un blocage des roues qui risquerait de provoquer un effet de luge. Si le véhicule est très réducté et que la pente est très grasse, on n'hésitera pas à utiliser un rapport supérieur pour éviter un frein moteur trop important. Nous allons parfois devoir aider ce frein moteur en mettant notre pied sur le frein et en créant un freinage, une aide au freinage, mais toujours très mesurée pour éviter les effets de luge. Afin de bien pouvoir maîtriser ce freinage, encore une fois, on n'oubliera pas avant de s'engager dans la pente d'avoir bien positionné notre ceinture de sécurité en position ventrale pour être parfaitement maintenu dans notre siège. En première, avec le frein, comme on l'a fait là, du fait que le terrain est très gras et du fait que tu as un moteur diesel qui tire tôt en même temps avec ta boîte de réduction, on devra mieux que tu descendes en deuxième. Mais sans le frein, tu peux freiner jusqu'à cette zone-là. D'accord. Ouais. Une fois arrivé à cette zone-là, tu laisses rouler la voiture. Parce que si tu touches au frein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la faire partir en luge. Au cas où notre véhicule viendrait à prendre une vitesse excessive dans la descente, il va falloir faire preuve de volonté et savoir oublier nos réflexes de route. C'est-à-dire que si le véhicule prend de la vitesse parce que nous avons donné trop de réduction, autrement dit trop de frein moteur, pour réduire la vitesse d'emballement, il nous faudra accélérer. Ce n'est pas facile parce qu'on voit le trou, généralement on est impressionné par le trou, mais la seule méthode pour redonner priorité à l'adhérence sera d'accélérer, de monter le régime du véhicule. À aucun moment ton pied gauche, il faut qu'il aille toucher l'embrayage, tu le cales en dessous de l'embrayage, voilà. Et comme ça, ça te laisse tous les mouvements libres, sans être crispé dessus. Voilà. De ce qu'il faut se méfier, c'est de ne pas jeter non plus la voiture dans le bas de la descente. Donc, il faut que tu anticipes un petit peu avec un petit peu de frein avant de démarrer. D'accord. Voilà, juste avant de démarrer. Et une fois que tu abordes la descente, tu oublies totalement ton frein et tu suis la trajectoire direction parfaite. Ouais. Tu vois ? Concentre-toi. Voilà. Et laisse tomber ta voiture. Voilà, bien joué en fait.
La difficulté technique de franchissement la plus marquée et celle qui va nous pénaliser 9 fois sur 10 pendant un déplacement va être la position de croisement de pont. Alors comment allons-nous repérer un croisement de pont au sol? Il est généralement constitué soit d'une suite de trous décalés placés un petit peu en quinconce, soit tout simplement par une différence de nivellement de pente en latéral. C'est-à-dire que dans un appui, une des roues avant va être en appui sur le sol, l'autre roue avant va être décollée du sol, et à l'arrière, en diagonale, la roue inversée sera décollée du sol et la roue opposée sera en appui, ce qui nous provoquera un double débattement de pont, c'est-à-dire un croisement de pont. Comment allons-nous franchir ce croisement de pont? Nous allons immobiliser le véhicule juste avant la position de croisement de pont complet, c'est-à-dire le moment où deux roues en diagonale ont totalement perdu leur adhérence, et nous allons, d'une manière brève mais franche, donner une impulsion au véhicule, monter l'accélération d'une manière soudaine mais très brève, afin d'effacer, par effet de masse, la position de croisement de pont complet. Cette accélération sera très brève et franche, de manière à provoquer également à la retombée du régime moteur un transfert de masse vers l'avant du véhicule qui va ainsi nous permettre de reprendre l'adhérence sur le train avant et tirer le véhicule hors du débattement. En cas de véhicule fort réducté, pour obtenir la bonne amplitude de mouvement dans notre impulsion, il ne faudra pas hésiter à utiliser le second rapport du véhicule, ce qui va donner une impulsion plus franche, une amplitude de mouvement pour venir replacer notre train avant au-delà du croisement de pont. Si nous avons maintenant un véhicule équipé de blocage de différentiel de pont, le croisement de pont est la situation exacte où la différence va se faire, c'est-à-dire le moment où le blocage de différentiel de pont va prendre toute sa réalité. On commencera par bloquer le différentiel du pont arrière, en ayant bien pris soin préalablement d'immobiliser la roue qui avait perdu son adhérence, demander l'enclenchement de ce blocage de différentiel et tout doucement renvoyer de la puissance dans le pont arrière pour éviter un à-coup trop violent sur la roue qui est plein appui sur le sol. Si le pont arrière n'est pas suffisant, on pourra bloquer le différentiel de pont avant. Sans oublier qu'un véhicule dont les différentiels de pont sont bloqués ne peut plus prendre de virage. Troisième type d'équipement que vous pouvez rencontrer sur un véhicule tout-terrain, le pont arrière à glissement limité. Alors, le système d'un pont à glissement limité est un système automatique qui intervient dès la perte d'adhérence au sol d'une des roues de l'essieu arrière. Sa fonction, comme le nom l'indique encore une fois, est une fonction limitée qui ne peut être efficace dans un croisement de pont que pendant que le véhicule est en mouvement. En cas d'arrêt complet du véhicule, ce glissement limité n'aura pas la force de renvoyer la puissance sur la roue ayant conservé l'adhérence. Petit truc, petit moyen pour aider son efficacité, il suffira de serrer tout doucement le frein à main du véhicule pour ralentir la roue qui a perdu l'adhérence. Immédiatement, le glissement limité, lui, renverra de la puissance sur la roue étant en parfait appui au sol. Manœuvre à faire très très doucement, mais très efficace. Le transfert de masse sert à favoriser la reprise d'adhérence du train avant après une impulsion plus ou moins longue. En effet, lorsque vous franchissez un croisement de pont, une marche ou une montée qui nécessite une impulsion, il faut, dès que le terrain le permet, diminuer soudainement l'accélération pour provoquer un appui du véhicule sur l'avant, donc déplacement de la masse sur le train avant, soit un transfert de masse. La maîtrise de cet exercice est un facteur de réussite déterminant en franchissement, car c'est le moyen d'éviter ou d'arrêter le patinage du véhicule, ce patinage étant une cause certaine d'immobilisation, donc d'échec. La recherche d'adhérence sert à aider la progression du véhicule. Dans un certain nombre de situations, elle s'effectue
en tournant le volant de butée à butée, ce qui provoque des déplacements latéraux successifs du véhicule jusqu'à l'obtention de la reprise d'adhérence, déclenchant ainsi le retour de la progression. Pour un résultat amélioré, elle s'accompagne d'un régime moteur non excessif mais constant. Cette méthode est efficace aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Le passage à gué nécessite lui quelques précautions. La première est de repérer à pied, chaque fois que c'est possible, le chemin que vous allez emprunter, car bien souvent, il est dissimulé par des eaux troubles. Des trous ou des rochers peuvent vous immobiliser dans une position inconfortable. La deuxième précaution est de protéger l'avant de votre véhicule à l'aide d'un morceau de bâche, un sac plastique positionné sur la calandre, évitant une entrée d'eau trop rapide dans le compartiment moteur, pouvant provoquer des chocs thermiques, noyer l'allumage si c'est un essence, ou plus grave, une entrée d'eau dans le conduit d'admission d'air, fatale pour le moteur. Pour les passages de gué extrême, l'équipement conseillé est une réhausse de prise d'air pour le filtre à air, permettant une immersion quasi totale du moteur sans entrée d'eau néfaste. Une fois préparé, il faut suivre une méthode de progression lente mais régulière, permettant l'avance du véhicule avec une vitesse constante de façon à créer, maintenir et pousser une vague devant la calandre du moteur. Quelquefois, à cause d'une configuration de terrain défavorable, l'entrée dans le gué risque d'être trop violente. Dès la stabilisation horizontale du véhicule, nous avancerons de nouveau lentement pour permettre l'évacuation de l'eau du compartiment moteur. Les ornières sont des obstacles fréquemment causés par des engins agricoles ou forestiers qui sont équipés de roues à grand diamètre et de pneumatiques agressifs. Pour pallier à ces obstacles, la solution réside dans le choix des pneumatiques qui devront être de grande hauteur afin d'augmenter la garde au sol de votre 4x4. La profondeur des ornières est variable. Si vous les trouvez impressionnantes, allez les repérer à pied. Si elles sont trop profondes par rapport à la capacité de votre véhicule, deux solutions. Vous pouvez les chevaucher si le chemin vous le permet. Vous ne pouvez pas les éviter et vous êtes à deux véhicules. Faites un essai en gardant un véhicule sur le dur, pouvant éventuellement tracter et ressortir le premier en cas d'échec. Dans le franchissement d'un bourbier, une entrée en patinage pendant la progression est fréquente. Pour éviter l'arrêt du véhicule, il est préférable de donner une impulsion au départ qui, dans un premier essai, sera douce, car la boue peut cacher les obstacles. De plus, les traces effectuées par vos pneus vous permettront facilement un recul aisé et donc de recommencer la manœuvre en donnant au départ une impulsion plus franche. Il est important, lors de l'immobilisation du véhicule dans sa course, de ne pas faire patiner les roues, car vous creuseriez le terrain et rendriez le prochain passage plus difficile, voire impossible, surtout si vous êtes équipé de pneumatiques à gros crampons. Au cas où vous êtes immobilisé sur le châssis ou sur les ponts, et que même le travail de recherche d'adhérence au volant est sans résultat, il vous reste le treuillage. Le treuillage se trouve être le moyen le plus efficace pour sortir d'un mauvais pas, mais exige le respect de règles de sécurité et d'utilisation primordiales. Si vous n'avez pas de treuil sur votre véhicule, une voire plusieurs sangles sont indispensables, accompagnées de manilles, pour l'accrochage sur les points d'ancrage entre deux véhicules. On essaiera de faire une petite séquence.
Luc. Il y a leur mot. Aucun véhicule tracteur n'a pas l'adhérence nécessaire, c'est l'échec. Vous disposez d'un treuil. Il doit être accompagné de sangles, manilles et d'une poulie de mouflage. Premièrement, manier le treuil après avoir pris soin de se munir de gants pour éviter les piqûres et coupures si le câble a des brins effilochés. En cas de treuillage sur un brin, il faudra toujours poser un objet au milieu de ce câble pour couper l'effet de fouet. En cas de rupture d'ancrage, le câble peut devenir un fouet très dangereux, pouvant couper tout ce qu'il trouve sur son passage. Sur un treuil électrique, stopper immédiatement la rotation et l'enroulement si l'effort devient trop important, pour éviter un échauffement du moteur du treuil. Il nous faudra éviter d'approcher nos gants trop près du rouleau du dit câble lors de l'enroulement, pour que nos mains ne se trouvent pas entraînées dans ce dernier. Il est conseillé, chaque fois que possible, de travailler avec une poulie de mouflage pour diminuer l'effort et par là même cet échauffement. Deuxième méthode de treuillage, le mouflage. Le véhicule d'assistance est situé à côté du véhicule tracté. Le treuillage avec mouflage consiste à faire cheminer notre câble par l'intermédiaire d'une poulie avant son retour vers le véhicule à tracter. Cette poulie pourra être fixée soit après un arbre ou un rocher, soit après un troisième véhicule. Si l'ancrage de la poulie de mouflage s'effectue sur un véhicule, il conviendra de sangler ce véhicule à un point fixe pour éviter tout glissement de ce dernier si l'adhérence au sol est mauvaise. Tout ancrage sur un arbre nécessite impérativement la mise en place d'une sangle et non pas d'une élingue afin d'épargner l'écorce et la vie future de l'arbre. Après utilisation, le bon enroulement du câble est important pour éviter les déformations. En fin d'action, il est même souhaitable de dérouler entièrement le câble et de réenrouler de façon régulière sans créer de chevauchement. Troisième cas de treuillage, le 4x4 d'assistance ne peut pas se positionner à côté du véhicule tracté. Nous allons donc le placer derrière en utilisant deux poulies de renvoi. La première servant à écarter le câble de treuil de la voiture tractée. La seconde nous permettant de tirer le véhicule vers l'avant en sortie du bourbier. Toutes les manœuvres de treuillage doivent toujours s'effectuer dans le calme et après réflexion et sans précipitation. Quelques derniers conseils. En cas d'absence totale de point d'ancrage, il est toujours possible d'ensabler ou d'enterrer une roue de secours en ayant pris soin d'y placer préalablement à l'intérieur le croisillon de démontage des roues.
pour enfin venir y fixer le crochet du cap de Treuil. Méthode efficace, mais galère, comme vous pouvez l'imaginer. Pensez aussi à ne jamais tracter avec le 4x4 en utilisant votre cap de Treuil comme une élingue, surtout en donnant des à-coups. Cela peut en détériorer l'anti-retour. Il est conseillé, chaque fois que possible, de travailler avec une poulie de mouflage pour diminuer l'effort demandé à votre treuil et de préserver ainsi son vieillissement. Enfin, le fait de moufler vous impose de dérouler une plus grande longueur de câble et de travailler sur un plus petit diamètre de moyeu et donc d'augmenter la puissance de traction. Nous arrivons ici sur une partie enneigée et un peu verglacée, qui va nous permettre de voir assez vite les limites du véhicule de roue motrice. Malgré une tentative de recherche d'adhérence, on voit que l'essieu arrière reste absolument inerte. Notre progression se trouve immédiatement arrêtée. Alors, l'intérêt du véhicule 4x4 sur la neige, c'est évidemment un pouvoir de traction multiplié par rapport à une berline. Par contre, il ne faudra pas oublier que c'est un véhicule lourd qui, en cas de freinage, aura tendance à avoir beaucoup plus d'inertie et mettre un certain temps à s'immobiliser. Véhicule 4x4 permanent, avec le différentiel interpont non bloqué, toute la puissance monte sur le train avant. Notre véhicule est immobilisé sur la neige. Nous allons donc immobiliser la transmission afin de bloquer notre différentiel interpont. Nous bloquons le différentiel pour répartir la puissance entre les deux ponts du véhicule. Immédiatement, le véhicule reprend sa progression. Ce mouvement se fait bien entendu sur la position 4-4, puisque c'est un 4 permanent, mais rapport long. Le rapport long servant évidemment et exclusivement à l'utilisation routière. Le rapport long différentiel bloqué servant à l'utilisation sur sol à mauvaise adhérence, neige ou glace. Nous sommes à bord d'un véhicule propulsion enclenchement du pont avant. Nous venons de nous mettre en perte d'adhérence sur la neige au niveau du train arrière, qui est notre essieu moteur en utilisation routière. Ce véhicule est équipé de moyeux débrayables à main. Nous allons donc commencer avant toute chose par effectuer un enclenchement de ces moyeux. Maintenant que les moyeux sont enclenchés, nous allons passer le véhicule en position 4 roues motrices et l'information donnée par le témoin au tableau de bord sera parfaitement exacte. Nous venons de rencontrer une plaque de neige et nous mettons, étant un véhicule propulsion, en perte d'adhérence du train arrière. Nous allons immobiliser notre transmission. Passer le véhicule en 4 roues motrices et comme ce véhicule est équipé de moyeux automatiques à fonction automatique, dès la remise en route de la transmission, les moyeux vont s'enclencher sans que nous ayons à descendre de ce véhicule. Ce véhicule est équipé, comme vu précédemment, de moyeux automatiques. Mais il faut savoir qu'en cas d'envie et de besoin de pré-enclenchement, ce moyeu possède également une fonction manuelle. Alors ces moyeux ont la particularité d'être équipés d'une tête 6 pans qui correspond dans la dimension à la dimension des boulons de roue. Et il va nous falloir utiliser la clé qui nous sert au démontage de nos roues pour
venir positionner le moyeu en position blocage. On voit position automatique ici. Nous allons maintenant, d'un simple quart de tour, le passer en position verrouillage à main, verrouillage enclenché à main. Cette position de blocage à main, ce moyen de blocage à main, nous permet d'anticiper la rencontre d'une plaque de glace ou de neige comme nous avons vu à l'instant. C'est-à-dire qu'on peut pré-enclencher nos moyeux, rouler en deux roues motrices, et lorsque nous allons rencontrer l'endroit de mauvaise adhérence, sans immobiliser le véhicule, nous enclencherons le pont avant et les deux roues avant. Si les régions sablonneuses sont souvent synonymes de rêve pour de nombreux possesseurs de 4x4, elles peuvent aussi très rapidement devenir synonymes de cauchemar. Une suite de conseils simples évoqués dans cette rubrique vous permettront sans doute, si vous les appliquez, d'arriver à l'heure au bivouac. Même si le Santana est un véhicule à faible puissance moteur, sa légèreté lui facilite sa progression comme tous les véhicules légers, en lui évitant de s'ensabler. Nous vous conseillerons donc, quel que soit votre véhicule 4x4, de faire attention à la charge. Le Chevrolet a tous les avantages réunis. Poids, pneus larges et puissance moteur. Il progresse aisément avec un régime moteur constant. Règle à ne jamais déroger. Le Fonterra Sport a pour lui les mêmes avantages que son prédécesseur. Mais le pilote ne garde pas un régime moteur soutenu et constant, ce qui provoque de légers transferts de masse parasite, des déséquilibres d'envoi de puissance, d'où un ensablement. Dans le cas présent, la recherche d'adhérence est quasiment inutile. Trajectoire et régime moteur devant être les plus linéaires possibles. Le Land 130 est un véhicule particulièrement adapté au terrain saharien. Toutefois, malgré l'excellent couple de son nouveau moteur, il ne faudra pas se laisser aller vers un régime moteur trop faible, étant donné le poids transportable. Dans l'évolution en zone sable, le conducteur peut être confronté au dévers, qui va bloquer sa progression s'il persiste à vouloir évoluer dans le sens de la montée. Même une puissance moteur importante ne facilitera pas forcément ce franchissement. La solution est de remettre les roues rapidement vers le bas du dévers pour permettre au véhicule de reprendre sa progression en utilisant l'angle de pente. Un véhicule ensablé doit toujours être tracté dans le sens de la descente, si faible soit-elle, car le cas contraire provoque également un ensablement du véhicule tracteur. Dans le sable, encore plus que partout ailleurs, dès qu'un véhicule cesse sa progression, il faut immédiatement stopper la rotation des roues. Sinon, à vos pelles. Les pneumatiques à gros crampons sont fortement déconseillés.
Au contraire, pour ce type de terrain, n'hésitez pas à équiper les véhicules de pneumatiques, genre route, peu agressif, et de les dégonfler sur sable mou. L'entretien du véhicule tout-terrain après votre randonnée peut se décomposer en deux parties, le lavage et le graissage. Le lavage est un point important avant de reprendre la route. En effet, les parties roulantes de votre voiture se sont chargées de terre qui peut modifier par exemple l'équilibrage de vos roues ou l'efficacité de vos freins. Le nettoyeur haute pression est un outil particulièrement adapté à ces travaux, car il permet grâce à son jet d'être précis en utilisant une quantité d'eau réduite et pouvant être autonome s'il est équipé d'un moteur thermique, très pratique en randonnée raide. Il est important d'effectuer les nettoyages dans l'ordre suivant. La carrosserie extérieure, les radiateurs de refroidissement et les circuits électriques où il est nécessaire d'utiliser qu'une faible pression, les passages de roues et châssis, les organes de suspension, les organes de direction, les étriers de frein. Les jantes extérieures et intérieures. Après avoir nettoyé votre voiture, il faut procéder au graissage, car le nettoyage a pu dégraisser certaines pièces. Il faut donc graisser les éléments suivants. Les arbres de transmission, les croisillons d'arbres, les rotules de direction si elles sont équipées de graisseurs, et tous les autres points de graissage, bien entendu spécifiés par votre constructeur. Les équipements pour l'esthétique et le pratique font partie des options courantes que vous pouvez adapter sur les véhicules tout-terrain. Les pare-buffes et les pare-chocs tubulaires permettent respectivement une protection ou un remplacement des éléments pare-chocs avant et arrière. Les tubes longitudinaux sont des accessoires importants permettant la protection efficace des bas de caisse et nous vous recommanderons leur utilisation en franchissement. Certaines extrapolations de ces accessoires en ont fait des marchepieds à vocation plus particulièrement décorative. Les coquilles de nez de pont en trial et les sabots en raid et rallye peuvent protéger efficacement les parties basses du véhicule contre les rochers et les projections de pierre. Ou à désolidariser la roue de l'arbre de roue. Nous sommes au terrain des Combes Grondées, aux portes du Morvan, pas très loin de Chalon-sur-Saône, dans un centre de loisirs tout-terrain. Alors ici, nous pouvons pratiquer en toute tranquillité toutes les formes de franchissement de 4x4, bourbier, dévers, zone de trial, piste de franchissement, piste d'endurance, zone de randonnée
dans les bois. Vous êtes ici à Planchers-Morvan, une commune du parc naturel régional, en plein centre de ce parc et au milieu des forêts morvandelles que vous pouvez découvrir tout autour de nous, forêts de feuillus et forêts de résineux. La pratique du tout-terrain, c'est une pratique comme d'autres. Il y a dans le Morvan beaucoup d'utilisateurs des chemins de nature. Vous avez les gens qui sont des pédestres, des vélos, des VTT, des équestres. Et à partir du moment où ces gens se comportent normalement, je ne vois pas pourquoi on ne les recevrait pas. C'est un apport pour nos collectivités, pour nos commerces. Et on n'est toujours prêt à accueillir les gens qui veulent bien sûr respecter le Morvan, aimer le Morvan comme nous-mêmes, mais qui nous aident aussi à survivre. Et ici, vous allez être tombé donc à ce fameux carrefour où la route va devenir chemin. Et là, vous engagerez dans la montagne. C'est dommage, la lumière, il dort. On est parti. Bon, les trois voitures partent en premier. Alors, ce que je souhaiterais, c'est avoir, pour tout le monde, je souhaiterais avoir en premier véhicule les gens qui n'ont jamais fait cette randonnée. Combien t'as dit 300 300, oui, 400. 300, on va le prendre à peu près là. Hein. La voiture est là. 300, oui. 300, c'est là. Donc par rapport à la fourche, droite. À droite. On y va. On y va. Bien sûr, si on attend, on y va. Moi je le vois en face d'abord, regarde.
mettre en top. Exact. Okay. 40 degrés. Et par contre, il y en a un tout petit là-bas. Ah, mais il n'est pas pointé, moi je monterais zéro là-haut. Ouais, tu montes zéro là-haut. Allez, on y va. On y va. En voilà. Principe, on a le chemin à gauche qui est ici. Ok, c'est ça. Là-bas. Ouais. Le chemin à droite qui est là. Le trifouillis merdeux qui est là. Voilà. Donc on doit être normalement, on doit être tout droit, mais les distances sont pas tout à fait justes. Il y a un petit poil d'écart, mais on a peut-être un peu patiné. Ou... Ah non, on fait le contraire. Ouais. Ça roule bien. Ouais. Ok. Bonne route, soyez prudents. Merci. Du Red Ténéré 1976 au troisième Red Black Star en Bolivie, la technique automobile tout-terrain a sans cesse évolué. Le désir d'aventure motorisée s'est régulièrement développé, voire banalisé, mais les règles de prudence et d'humilité sont restées les mêmes. Au-delà des équipements classiques, le Grand Raid nécessite un choix d'accessoires particulièrement résistants. Que ce soit gros tubes de protection, galeries sérieuses ne risquant pas de vous trahir en cours du raid, schnorkel pour protéger la durée de vie du moteur et bien entendu un bon treuil pour vous sortir des situations scabreuses. Surtout si vous êtes seul, ce que nous vous les conseillons. Deux véhicules évitant toujours les pilotes tragiques suite à un incident bénin. Il sera sérieux d'emporter sangles ou élingues, plaques de désensablage souples ou rigides, roues de secours supplémentaires et petites pièces spécifiques à votre véhicule. Tout ceci sans excès, car comme nous vous l'avons déjà dit, en tout terrain, le poids, c'est l'ennemi. Au-delà de la préparation de votre véhicule, vous devez apporter les plus grands soins aux participants, en prenant garde à emporter une pharmacie complète et adaptée à votre destination, comprenant par exemple filtre à eau, pastilles de purification, aspivenin, et effectuer une visite chez le médecin et le dentiste si vous partez vers des destinations désertiques. Rien de plus désagréable que d'être stoppé par une rage de dents ou une crise hémorroïdaire alors que la mécanique de votre 4x4 est en bon état. Bien suivre les conseils médicaux préalables à l'expédition, vaccins, traitements jornivaquine, etc. Discipline noble, la pratique du 4x4 en milieu naturel apparaît comme révélateur de la personnalité et met en valeur des qualités humaines comme la faculté d'apprendre, le sens de l'observation, le goût et le respect de la nature et de ses pratiquants.